Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, j'ai un mot à partager avec vous de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et je vais, mes frères, vous le partager comme si je serais chez moi. Gloire au Seigneur. Parce que j'ai la confiance avec les frères, avec les anciens. Et puis, disons-le, hein, disons-le, un local n'est pas une église. Nous sommes tous la même église du Seigneur. Hein? Je voudrais faire une lecture avec vous, elle se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6 du verset 20. Ceux qui ont la parole de Dieu peuvent le lire avec moi, s'il vous plaît. Parole de Dieu dit ainsi. Quand vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. On fera une deuxième lecture dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Parole de Dieu dit ainsi. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Voilà, je voudrais voir certaines choses avec vous. Quand nous avons fait la première lecture, nous avons compris que vous, que moi, que tout croyant, que tout enfant de Dieu, il appartient à Dieu. Hein? Nous savons que le Christ nous a rachetés et nous savons que nous appartenons à Dieu. La deuxième lecture que nous avons vue, c'est dans les Thessaloniciens et elle explique ou elle relate, si vous voulez, un endroit où les disciples, où les hommes de Dieu étaient allés prêcher la parole de Dieu. Et puis, ils commencent à dire, ils commencent à relever l'accès qu'il a eu auprès d'eux. C'est-à-dire que ces familles-là, ces hommes-là, toutes ces personnes qui étaient là, elles ont laissé porte ouverte à la parole de Dieu. Elles ont laissé un accès à l'Évangile. Et ce n'est pas un petit accès qu'ils ont laissé, mais ils ont véritablement ouvert les portes. Et puis nous voyons, bien sûr, encore quatre choses qu'il continue à dire. Il va dire comment vous vous êtes convertis. Hein? Là, il y a une question de conversion, les personnes qui se convertissent au Seigneur. Il continue et il dit, vous vous êtes convertis comment? Il dit, en abandonnant les idoles. Et ça, on le sait, et ça, on le comprend très bien chacun d'entre nous. Je sais, mes frères, que ce que je vais prêcher, vous le savez déjà, hein? Mais je l'ai dans mon cœur. Et je voudrais le partager avec vous ce soir. En abandonnant les idoles, c'est normal. Toute personne qui est née de Dieu ne peut plus être une idolâtre. C'est normal. Je ne rentrerai pas dans ça. Il va dire, pour servir. Alors, il va dire, comment nous nous sommes convertis en abandonnant? Mais on s'est convertis pour servir. Et je voudrais vous dire ce soir que toute personne qui est sauvée, elle n'est pas sauvée pour rien faire. Je voudrais vous dire que chacun d'entre nous a sa place dans le corps. Et je voudrais vous dire que nous sommes tous utiles. Parfois on se dit, bon oui, mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que déjà, tu t'es posé la question, qu'est-ce que tu devrais faire? Parce que comprenez une chose, lorsque le Seigneur nous a sauvés, il ne nous a pas sauvés simplement pour être sauvés. Il nous a sauvés pour servir. Et tout véritable enfant de Dieu, je le crois tout mon cœur que nous le sommes ce soir, ne peut pas rester oisif. Il ne peut pas croiser les bras et dire, bon voilà, les autres le feront. Ce n'est pas possible, mes frères. Au contraire, tout enfant de Dieu qui est né de Dieu a le désir de servir son Dieu. Alors, sûrement qu'on ne le servira pas tous de la même façon. Mais il y a des façons et des façons et des façons de le servir. Et je voudrais simplement rester sur ce point. Comment pouvons-nous servir Dieu? Comment devons-nous servir Dieu?
Dans quel ordre, si vous voulez, nous devons servir Dieu, Pascal? Parce que mes frères et sœurs, de vouloir servir Dieu, c'est excellent. C'est ce qu'il y a de meilleur. Mais toujours faut-il le servir comme lui veut. Je vous pose une question ce soir, Église du Seigneur. Et je sais que je m'adresse à des gens qui connaissent la parole de Dieu quand même. Je vous pose une question. Croyez-vous que Dieu accepterait que je le serve d'une façon quelconque? Une façon qui ne serait pas appropriée? Bien sûr que non. On est d'accord. Et donc il y a là quelques petits détails que j'ai trouvés dans la parole de Dieu pour justement essayer, premièrement, de nous faire comprendre que Dieu attend qu'on le serve. Il ne s'attend pas à ce qu'on reste toujours dans la même position. Et peut-être vous vous dites ce soir, et je parle exclusivement peut-être pour les femmes, dans ce que je dis là, peut-être vous dites, oui, mais moi, qu'est-ce que je fasse? Je ne vais pas prêcher. C'est vrai, tu ne vas pas prêcher. Mais tu sais, il est écrit dans la parole de Dieu qu'il y avait une femme qui venait tous les jours au temple. Et la parole de Dieu dit qu'elle servait dans la prière. Par exemple, la prière est une façon de servir. Il y a des personnes qui prient pour l'œuvre de Dieu, des personnes qui prient constamment, et pourtant eux ne montent jamais derrière un pupitre. On ne les verra jamais, ces personnes-là. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles ne servent pas. Et je voudrais t'encourager ce soir. Peut-être tu te dis, mais moi, de toute façon, tu sais, je n'ai pas trop grande importance, personne ne me voit, je ne fais jamais rien en public. Mais qu'importe le public? Rentre dans ta chambre. Et ton père qui est dans le secret. Je vais vous dire quelque chose, très sincèrement. À quoi ça sert le public s'il n'y a pas le secret? Ça ne sert à rien du tout. Je vais dire plus même. S'il n'y a pas le secret, ne fais rien en public, voyons. Ça ne servira à rien. Non, on fait des choses en public quand on a le secret. Mais si on n'a pas le secret, mes frères et sœurs. Alors ne te décourage pas. C'est pas parce que les gens ne te voient pas que tu ne travailles pas. C'est pas parce que les gens ne te voient pas que tu ne sers pas. Nous sommes tous utiles ce soir. Dieu peut se servir de toi pour encourager ton frère, pour encourager ta soeur, pour donner un mot à un frère, à une soeur. Regarde ma soeur. Ma soeur, Dieu est avec toi, ma soeur. Et parfois on est là et on ne trouve pas grand chose à faire. Je vais dire juste ce mot-là. J'ai écouté un message d'un homme de Dieu qui disait qu'il avait une cousine qui était avancée en âge. Vraiment avancée en âge. Et puis il l'a appelée à ce pasteur pour qu'il prie pour elle. Il dit, quand je suis allé chez elle, elle habite dans une rue, et elle habite au rez-de-chaussée et il y a un balcon. Il dit, elle ne m'a pas vu. Il dit, mais moi je l'ai vu. Il dit, alors je me suis mis un peu sur le côté dans la ruelle et je regardais ce qu'elle faisait. Il dit, elle était dehors, assise dans son balcon, elle priait Dieu. Elle priait pour l'œuvre de Dieu. Elle priait pour les serviteurs de Dieu. Elle priait pour les églises. Et je me régalais de voir ça. Une femme avancée en âge qui était là, qui persévérait dans la prière. Il dit, quand j'ai avancé dans la rue, j'ai vu qu'elle avait mis, si vous voulez, sur le balcon, comme une sorte de caisse ouverte de ce côté-là, et il y avait des Bibles dedans. Et il y avait un écriteau en bas. Comme elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas bouger. Alors, elle a mis les Bibles du côté du balcon en bas au rez-de-chaussée. Elle a mis un écriteau qui disait, servez-vous. Elle ne peut pas bouger. Mais quelle envie qu'elle a de travailler pour Dieu. Est-ce qu'on aurait réfléchi, nous, de mettre une caisse avec des Bibles dehors, avec un écriteau, servez-vous. Mais il n'y a qu'une véritable envie de servir Dieu qui peut pousser à faire ça. Je voudrais ce soir vous encourager dans votre élan. Vous encouragez dans votre service. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu nous appelle à son service. Gloire au Seigneur. Alors, je voudrais tout simplement essayer de commencer. Le service, on le sait, il est bidirectionnel, c'est-à-dire on sert Dieu. C'est pour Dieu le service. Oui, mais on sert Dieu en servant ses frères et sœurs. On ne peut pas servir Dieu si on ne se sert pas entre nous. Et le service doit être entre nous. Ne nous attendons pas à servir Dieu. Dieu a besoin de rien en soi. Servir Dieu, c'est nous servir entre nous.
Et puis nous voyons très rapidement que même on pourrait lire si vous voulez, on va pas lire, on va faire plus vite. Nous voyons déjà un type, une préfiguration de ce que je suis en train de vous parler ce soir dans l'Ancien Testament, c'est que lorsqu'on rachetait un esclave, on le rachetait pour deux choses. La première des choses, c'était le sortir de la servitude dans laquelle il se trouvait. C'était ça. Et la deuxième des choses, c'était que celui qui l'achetait, mes frères, ne nous trompons pas avec des idées, celui qui l'achetait, il l'achetait pour qu'il soit à son service. Il achetait un esclave pour qu'il soit à son service. Et je voudrais vous dire quelque chose. Je voudrais vous dire que Dieu ne nous a pas simplement sauvés. Dieu nous a sauvés pour que l'Église de Dieu le serve. Lorsqu'il a fait le plan avec Israël, il s'est servi d'Israël. Israël était le peuple de Dieu et c'était Israël qui servait Dieu. De telle façon que le peuple qui servait Dieu, c'est Israël. Dans la parole de Dieu, il est appelé le serviteur de l'Éternel. Parce qu'il servait Dieu. Mes frères, aujourd'hui, nous sommes dans un temps qui est le temps de l'Église, si vous voulez, en un mot. Et puis Dieu s'attend à ce qu'on le serve. Dieu veut du service. Et il ne passera pas par les autres. Il va passer par nous. Mais si nous ne sommes pas là pour le servir, alors le service ne sera pas fait. Et le travail ne sera pas fait. Alors je voudrais tout simplement ce soir essayer de motiver quelque chose en nous. Essayer de réveiller ce désir de servir Dieu. Je parlais l'autre jour avec une personne et je disais, tu sais, si des jeunes ne se lèvent pas, on est mal. Si des jeunes ne se lèvent pas au service de Dieu, on est mal. On est mal parce que il semblerait qu'on est en train de louper une génération. Il semblerait que une personne qui se lève pour servir Dieu à 30, 35 ans, on dirait qu'on manque une génération au milieu là. Et c'est dommage. C'est dommage. Moi j'aimerais, j'ai le désir dans mon cœur de voir des jeunes de 20, 21, 22 ans servir le Seigneur. On en a toujours eu chez nous. Et il semblerait qu'en ce moment, il n'y en a pas. Ou peut-être très peu. Alors je voudrais vous encourager. Vous dire que nous sommes le peuple de Dieu. Et vous dire que Dieu ne se servira pas des autres, il se servira de nous. Mais pour ça, encore faut-il qu'on le serve. Gloire au Seigneur. Alors je vais directement rentrer dans le vif du sujet, je ne serai pas long, je vais essayer de faire le plus vite possible. Il y a un texte dans le prophète Malachi, dans le chapitre 3 du verset 18, qui dit un mot qui est un peu sévère, c'est vrai, mais qui est une vérité. Malachi 3, 18 va dire, vous verrez la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Bizarre quand même. C'est bizarre. Seigneur, on verra la différence entre quelqu'un qui sert Dieu et quelqu'un qui ne le sert pas. Oui, on verra la différence. Et je voudrais vous dire qu'on doit servir Dieu dans les normes de Dieu. On doit servir Dieu dans le sens de la volonté de Dieu. Et comment pourrions-nous le servir? Comment faire un bon service, si vous voulez? Parce que croyez-moi, je vais me prendre un exemple ce soir. Et il n'y a, croyez-moi, dans mes mots, aucune tromperie. Je dis la vérité de mon cœur ce soir. Mes frères et sœurs, je peux croire être en train de servir Dieu et je peux me servir moi-même. Parce que si je ne sers pas Dieu dans les critères de Dieu, je ne sers pas Dieu. Je me sers moi. Et c'est toute une différence quand on se sert nous ou quand on sert Dieu. Gloire au Seigneur. Et je voudrais qu'on voit ensemble un petit peu comment servir Dieu.
Regardez. La première des conditions. 2 Timothée chapitre 2 verset 21. La parole de Dieu dit ainsi. Il va dire, si tu te conserves pur, si c'est conditionnel, ça veut dire que si tu ne fais pas, tu n'auras pas. C'est clair, net. Il dit, si tu te conserves pur, il dit, tu seras vase utile. Et ça, c'est la consacration. Mes frères et sœurs, on ne peut pas servir Dieu s'il n'y a pas de consacration. Si on veut être utile, il faut se consacrer. Et se consacrer, je vais ouvrir une parenthèse tout simplement. Et se consacrer, qu'est-ce que c'est? Je vais mettre mes mots simples. Je vais mettre mes mots simples. Qu'est-ce que c'est que de vivre consacré? C'est se tenir devant Dieu. Se tenir devant Dieu. Il y a une grande différence entre venir à la présence de Dieu et se tenir devant Dieu. Je peux venir à la présence de Dieu 3 fois par semaine à la réunion. C'est merveilleux, il faut le faire. Tout le monde aime faire ça. Mes frères, je vous dis la vérité de Dieu. Même les inconvertis aiment venir à l'église. Ils se régalent à l'église. C'est un régal. Les frères chantent, les sœurs chantent, il y a la bénédiction de Dieu. Il y a la parole de Dieu, il y a le bien-être, il y a la paix, il y a la joie. Tout le monde aime venir à la présence de Dieu. Mais se tenir devant Dieu, c'est pas tout le monde qui aime ça. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que se tenir devant Dieu, c'est dur. C'est dur. Ah, c'est très dur de se tenir devant Dieu. Imaginez-vous se tenir devant Dieu 24 heures sur 24. Un jour, 3 jours, 10 jours, 1 mois. Pas évident, hein? Pas évident du tout, même. Mais je vous dis la vérité de Dieu. Le chandelier qui est l'image de l'église, il se tenait dans la présence de Dieu. Le bâton a refleuri parce qu'il était dans la présence de Dieu. Et si on ne se tient pas devant Dieu, ce n'est pas en venant à Dieu qu'on va progresser. Ce n'est pas possible. Celui qui veut servir Dieu doit se tenir devant Dieu. Et ce que je vous dis, est-ce que c'est biblique ce que tu dis? Ben, toute la Bible entière le dit. Toute la Bible entière le dit. Permettez-moi une expression, hein, responsable. Quel est le secret, ou la garantie, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de secret, c'est écrit dans la parole de Dieu. Quelle est la garantie d'un homme de Dieu? Quelle est la garantie d'une femme de Dieu? Quelle est la garantie d'un chrétien? Quelle est la garantie d'un frère? Quelle est ma garantie, mon frère, pour que je te fasse confiance? C'est que tu te tiennes devant Dieu. Si tu ne te tiens pas devant Dieu, je ne te fais pas confiance, moi. Parce que la garantie, c'est se tenir devant Dieu. Prenez les hommes de Dieu, de la parole de Dieu. C'est écrit dans, partout. C'est écrit partout, mes frères. On peut prendre Abraham. Il dit, Abraham, il dit, tu te tiendras devant moi. Tout le monde veut les promesses d'Abraham, mais tout le monde ne se tient pas devant Dieu. Il faut dire la vérité de Dieu. Eh oui. Moïse, il dit, tu marcheras devant moi, Moïse. Tu marcheras devant moi. Et c'est ça la garantie. C'est ça la garantie. Vous allez me dire, oui, mais c'est des hommes de l'Ancien Testament. Et regarde de qui tu parles. Tu parles d'Abraham, tu parles de Moïse. Il n'y a pas que. Tous les hommes de la parole de Dieu se sont tenus devant Dieu. Daniel, il dit, depuis que tu t'es humilié, et depuis que tu pries, moi j'aurais dit que c'est déjà pas mal, hein. S'humilier et prier, c'est bien. Oui, mais si notre humilité, notre prière n'est pas devant Dieu, elle n'est pas vraie. On peut faire l'humble et ne pas être humble. On peut prier, être loin de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Il dit ce peuple, il me prie, il me prie, il me prie, il est loin de moi.
Alors, quelle est la garantie alors? C'est se tenir devant Dieu. Oui, mais se tenir devant Dieu, ça ne plaît pas trop. À moi le premier. Hein. Mais frère, je vais vous dire un grand secret de ma vie. J'aime pas me tenir devant Dieu. Mais je le fais. Vous savez pourquoi j'aime pas? Parce que quand je me tiens devant Dieu, j'ai le droit de rien faire. Ce qui me plaît, je ne peux pas le faire. Ce que j'ai envie de faire, je ne peux pas. Je ne peux pas penser ce que je veux. Je ne peux pas voir ce que je veux. Je ne peux pas parler comme je veux. Je ne peux pas réagir comme je veux. Je ne peux pas travailler comme je veux. Je ne peux pas marcher comme je veux. Je ne peux plus. Je suis foutu. Et il faut qu'on en arrive là. Parce que si on n'en arrive pas là, je vous dis la vérité, mes frères et sœurs, ça n'avancera pas. On n'avancera pas personnellement. Il faut se tenir devant Dieu. Regardez, Jean le Baptiste, l'homme le plus grand de l'Ancien Testament. Que dit l'ange? Il dit, cet enfant, il dit, il se tiendra devant Dieu. Et oui. Paul, l'apôtre Paul, il dit, moi je fléchis les genoux, c'est bien. Fléchir les genoux, ça veut dire prier, c'est bien. Et il ne fléchit pas les genoux devant n'importe qui. Il dit, je fléchis les genoux devant le Père, en voulant dire, je me tiens devant Dieu. Et c'est ça qu'il faut apprendre dans nos vies personnelles. Mes frères, je sais que vous le savez, et si vous le faites, déjà que Dieu vous bénisse. Priez pour moi, moi j'ai du mal à le faire. C'est dur de le faire. C'est dur. Mais il faut le faire, parce que c'est la garantie. Je le répète, moi je ne fais pas confiance à tout le monde, mes frères. Moi je fais confiance à mes frères qui se tiennent devant Dieu. Lorsque dans la parole de Dieu, il envoie l'homme de Dieu vers Saul de Tarse, il dit, mais comment tu veux que j'aille vers lui? Il va me tuer, il tue les chrétiens. Et puis, Dieu va lui dire un mot à cet ancien, à cet apôtre-là, qui va calmer son cœur. C'est pas qu'un tranquille. Il a plus peur. Vous savez ce qu'il lui dit? Il dit, n'aie pas peur, il va vers lui. Il dit, il est devant moi, il prie. Papa, on ne peut pas avoir peur de quelqu'un qui se tient devant Dieu, mes frères, je vous le dis. On ne peut pas avoir peur de lui. Quelqu'un qui ne se tient pas devant Dieu, c'est un danger. C'est un danger, excusez-moi du mot, un danger public. Et quelqu'un qui se tient devant Dieu, non. Quelqu'un qui se tient devant Dieu, c'est la garantie qu'il ne nous fera pas de mal. C'est parce qu'il se tient devant Dieu. Et oui. Regardez, nous on dit, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est Paul, ça c'est... Oui, mais regarde les personnes que tu mets. Il y a un passage dans la parole de Dieu, je pourrais vous le citer si vous voulez, qui dit que quand l'Église s'est convertie au Seigneur, ça veut dire la naissance de l'Église, il dit, il se tenait devant Dieu tous les jours. L'Église complète doit se tenir devant Dieu. C'est pas que le pasteur, c'est pas que le diacre, non, c'est l'Église, c'est les enfants de Dieu qui doivent se tenir tous les jours, devant Dieu. Regardez, je vais dire ça simplement. Quelle est la garantie d'un ange? Quelle est la garantie d'un ange, mon frère? Tout ange qu'il est, c'est qu'il se tient devant Dieu. S'il ne se tient pas devant Dieu, ça devient un démon. Pourtant, c'est un ange. Eh oui, mais s'il ne se tient pas devant Dieu, s'il n'est pas constamment devant Dieu, s'il n'est pas dans la volonté de Dieu, ça devient un démon. La preuve, quand l'ange va parler à Zacharie, il va dire, Zacharie, ta femme aura un fils, et tu l'appelleras Jean, etc. Et Zacharie lui dit, oui, mais attends, moi je suis avancé en âge, ma femme aussi. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un de nous douterait d'un ange là? Si un ange descend, il nous parle, on ne douterait pas d'un ange quand même, mes frères. Et c'est Gabriel en plus. C'est pas moi, hein, c'est Gabriel. Il descend dans la maison de Zacharie, il parle à Zacharie, il dit, Zacharie, il dit, ta femme va avoir un fils. Il dit, d'accord, t'es un ange, super, c'est parfait. Mais attends, t'es un ange, mais attends. Hein? Il dit, comment est-ce que je saurai que ce mot est véritablement venu de l'Éternel? Oh Seigneur!
Il ne dit pas « parce que je suis Gabriel, moi, quand même ». Il aurait pu le dire, de verdad, hein. C'était Gabriel, quand même. Oh. Il ne dit pas « je suis Gabriel hein. ». Il dit « parce que je m'appelle Gabriel, c'est vrai ». Il dit « et je me tiens devant Dieu ». Ça veut dire que même Gabriel, s'il ne se tient pas devant Dieu, qu'il soit un ange, ce n'est pas une garantie. Oh là là, là 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 là, c'est compliqué. Et dans l'église de Dieu, si on ne se tient pas devant Dieu, il n'y a aucune garantie. Comprenez que chrétien, c'est un nom. Serviteur, c'est un nom. Mais si on ne se tient pas devant Dieu, on n'est ni l'un ni l'autre. La garantie, la véracité, c'est qu'on se tient devant Dieu. Alors, si tu te conserves pur, ça veut dire si tu vis devant moi, si tu te tiens devant ma face, une autre expression, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, il dit, il s'humilie et prie, merveilleux. Mais il ne s'arrête pas là, hein. Il dit, il cherche ma face, parce que ça va ensemble. Il se détourne de ses voies, alors je l'ai tout sauvé. Mais je veux le dire pour moi ce soir, mes frères et sœurs. Même si je fais le humble, et même si je prie, si je ne me tiens pas devant Dieu, pas suffisant. Je vais vous dire quelque chose. 3 fois par jour, priez le Seigneur, c'est bien, c'est merveilleux. Si vous pouvez prier 5 fois, priez 5 fois. Si vous pouvez prier 10 fois, priez 10 fois. Parole de Dieu dit, veillez prier en tout temps. C'est pas moi qui va contredire la parole de Dieu quand même. Mais prier 5 fois par jour, c'est pas suffisant. Il faut se tenir devant Dieu. Parce que si on vient à la présence de Dieu et on prie, et on sort, et c'est fini. On revient à la présence de Dieu et on prie, et on sort, et on oublie, et c'est fini. On revient à la présence de Dieu, mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que tu sois constant. Amen. Dieu veut que à chaque moment de la journée, tu sois conscient que tu dois être devant Dieu, que tu marches devant le Seigneur. Yeah. Gloire à Dieu. Amen. Allez, je vais peut-être toucher le deuxième point et j'arrêterai, mes frères. Les autres, ce sera pour une autre fois. C'est pas grave. Le deuxième point, qu'est-ce que c'est? C'est le dévouement. On ne peut pas servir Dieu si on n'a pas de dévouement. Dévouement, ça veut dire être dévoué. Vous pouvez avoir le passage dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 15. 1 Corinthiens 16, 15. Il explique que celui qui doit servir Dieu, il doit le faire dans le dévouement. Alors, dévouement, à certains ça nous parle, à d'autres ça ne nous parle pas du tout. Alors j'ai regardé ce que c'est un peu que le dévouement, pour expliquer un peu. Qu'est-ce que c'est le dévouement? Le dévouement, c'est avoir en idée la conception de souffrir, de faire des sacrifices pour servir Dieu. La personne qui n'a pas dans sa pensée l'idée, qui n'est pas armée de l'idée de souffrir, l'idée de savoir qu'il devra faire des sacrifices, l'idée de savoir que les choses de Dieu doivent passer en premier. Même quand c'est dur, même quand c'est difficile, eh bien c'est un service qui est négligé. L'homme de Dieu, David, disait, je ne donnerai rien à Dieu qui ne me soit pas difficile de donner. Parce qu'il sait que Dieu s'attend à qu'on le serve avec dévouement. Comment devons-nous le servir? Dans l'humilité. Dans l'humilité, j'ai pris acte 29. Acte 29. Et j'arrêterai. Je vous ai promis que j'arrête et j'arrête. Acte 29. C'est un passage qui est merveilleux parce qu'il nous montre une facette de l'humilité que parfois on ne connaît pas. Enfin, moi personnellement, je ne la connaissais pas. Il dit, en toute humilité, avec larmes. Et moi je disais, Seigneur, qu'est-ce que ça a à voir, l'humilité et les larmes?
Qu'est-ce que ça a à voir? C'est que si tu es humble, si tu te tiens devant Dieu véritablement et tu es véritablement humble, tu pleureras souvent. Tu pleureras souvent à cause de deux choses. La première, parce que souvent on ne te comprend pas. On ne te comprendra pas. Tu seras, excusez-moi du mot, tu seras toujours le martien de l'équipe. On ne te comprend pas. On ne te capte pas. Et deuxièmement, tu pleureras parce que on t'a peut-être, vice-versa, on t'a peut-être trop bien compris. Et comme on t'a trop bien compris, et comme on sait que tu es humble, on va abuser de toi. Parce qu'ils savent que tu es humble. Alors tu as là les deux facettes. Soit tu vas souffrir parce que souvent on ne te comprend pas, ce que tu dis on ne te comprend pas, ou soit on t'a trop compris. Et comme on t'a trop compris, ben, tu vas souffrir. Mais de toutes les manières, que ce soit d'une manière ou d'une autre, croyez-moi, quelqu'un qui est humble véritablement et qui sert Dieu, il va souffrir. Il va souffrir. Mais enfin, qu'importe si cette souffrance est pour la gloire de Dieu, qu'importe que peut-être moi je ne comprenne pas les hommes de Dieu, leur travail, ce qu'ils sont en train de faire, peut-être moi je ne comprends pas, et peut-être moi, mais voilà, j'ai mon opinion, tu sais. Oh, tu sais, le travail qu'il est en train de faire, hein. Mais dans la vérité de Dieu, celui qui sert Dieu, il sait ce qu'il fait. Et si même on ne te comprend pas, il faut continuer. Pleure si tu veux, mais continue. Ne te décourage pas. Et si on abuse de toi parce qu'on a vu que tu es humble et qu'on t'a trop compris, continue quand même. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire dans ta vie. Si tu es dans la volonté de Dieu, tu n'as rien à craindre. Et je voudrais ce soir arrêter avec ça. Fini. Je vous demande pardon, j'ai été long. Excusez-moi, j'ai beaucoup souffert pour venir. Vraiment, croyez-moi, j'ai beaucoup souffert pour venir. Mais par la grâce de Dieu, je suis venu. Et j'aimerais vous dire, de tout mon cœur, Église de Dieu, en avant. Il faut servir Dieu. Les frères, quand c'est qu'on va servir Dieu? Quand on aura 90 ans? Il faut servir Dieu. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie, dis-moi? Je disais ça à quelqu'un qui me comprenait pas. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne sers pas Dieu? Il me dit, ah, mais voilà, j'ai ma maison, je vais au marché, je reviens, je vais au marché, je reviens. Je dis, mais ça sert à quoi ça? C'est quoi le but de ta vie, toi? Faire le marché? Il me dit, je ne sais pas. Je dis, tu ne sais pas? Mais sers Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Mets-toi au service de Dieu. On a besoin. On a besoin. On prie le Seigneur. Seigneur, merci.